Bonjour les amis de Radio Camino, bienvenue dans ce podcast. On m'a souvent posé la question, c'est quoi le plus beau chemin? Et j'avais envie d'y répondre dans ce podcast parce que pour moi c'est une question qui est assez triste puisqu'elle limite vraiment la dimension du chemin à un seul de nos sens et à un seul critère, la beauté, qui est éminemment subjectif évidemment. Alors pourquoi est-ce que pour moi la question du plus beau chemin est vraiment une mauvaise question à se poser? La première chose, c'est que j'ai envie de vous demander, ce serait quoi le plus moche chemin? Vous allez peut-être me répondre, un chemin avec du goudron, un chemin tout plat, un chemin dans les grandes cultures, un chemin dans les villes, avec des voitures. Bravo, vous avez décrit une grande partie du chemin de Compostelle. Aïe! Et oui, le chemin de Compostelle, quand on le prend dans sa totalité, que ce soit au départ de chez soi ou d'un des points de départ habituels en France ou en Espagne, oui, il est fait de beaux paysages, mais il est également fait d'endroits qui sont un petit peu moins intéressants, si on peut utiliser ce mot avec beaucoup de guillemets, des endroits qui vont nous confronter à des grandes lignes droites en Champagne, dans la Meseta, qui sont également propices à l'introspection. On peut également avoir des endroits vraiment très désagréables, comme des banlieues de villes ou des bords nationales qui parfois ressemblent presque à des autoroutes, qui vont peut-être nous confronter aussi à notre capacité de nous détacher du bruit ambiant et de trouver le calme en nous malgré tout. Et on va avoir comme ça plein d'endroits où le chemin n'est pas si beau que ça. Voilà, c'est pour ça qu'on prend le chemin pour d'autres raisons. Si on veut un beau chemin, je vous encourage vivement à aller suivre un GR, par exemple le Tour du Mont Blanc ou pourquoi pas le GR10 dans les Pyrénées. Ou si vous aimez les côtes magnifiques, Rota Vicentina au Portugal par exemple, n'allez pas sur le chemin de Saint-Jacques parce que vous voulez faire un beau chemin. Vous allez certainement être déçu si vous avez cette attente-là. Alors, mais comment est-ce qu'on peut dire ça? Enfin, il y a quand même des endroits qui sont plus beaux sur le chemin. Par exemple, le Puy-en-Velay jusque Conques, c'est quand même beau. Alors, je vais encore une fois vous poser la question, mais qu'est-ce qui est beau? L'Aubrac, on va traverser l'Aubrac. Si vous avez envie de passer du temps en Aubrac, faites le tour de l'Aubrac, qui est lui un magnifique GR, encore une fois, de 5, 6, 7 jours, et pas juste un jour et demi sur un sentier ultra fréquenté, où s'il fait beau, vous aurez de la chance, vous verrez l'Aubrac, mais s'il fait pas beau, c'est le cas aussi parfois là-bas, vous verrez pas l'Aubrac. Et la beauté du chemin, il ne faut pas oublier qu'elle va être aussi tributaire de votre état à vous. Et il y a plein d'éléments qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, votre état de santé, est-ce que vous êtes fatigué ce jour-là? Est-ce que vous avez des ampoules? Est-ce que vous avez des douleurs? Ça va fortement influencer votre perception du chemin. La météo, on ne sait rien y faire non plus, mais un jour où il y a du brouillard, où il pleut et où il y a du vent, voire même du grésil, parce que ça peut arriver sur les plateaux de la Meseta et de l'Aubrac, probablement que vous n'avez peut-être pas trouvé ça si sympa que ça, finalement. Il y a les gens que vous allez croiser, vous pouvez être très très heureux de rencontrer certains pèlerins, et puis d'autres que vous n'avez pas du tout envie de revoir, ça peut arriver aussi. Il y a les gens qui vont vous accueillir ou qui vont vous accueillir ou vous donner quelque chose au long du chemin. Et puis, il y a certaines fois où vous allez être confronté à des hospitaliers de mauvais poil ou à des gens complètement indifférents. Et donc, tout ça va très, très fortement influencer la perception de votre chemin. Alors, plutôt que de se poser la question « quel est le plus beau chemin ?», si on se posait de la question « pourquoi est-ce que moi j'ai envie de partir sur le chemin ? Qu'est-ce qui me motive à me mettre en route et à marcher comme ça des jours et des jours en portant mon sac, en ayant des courbatures, en ayant parfois froid, en ayant parfois faim ? Qu'est-ce qui est vraiment derrière cette quête et ce chemin ? Est-ce que, par exemple, j'ai envie de tout quitter dans ma vie et de faire le point ? Dans ce cas-là, peut-être que c'est intéressant de partir de chez soi,
parce qu'en s'éloignant progressivement de sa maison, en fermant la porte symboliquement, on va commencer ce travail de réflexion et de transformation. Et on l'espère revenir en étant un homme ou une femme différente. Il y a des personnes qui partent parce qu'elles font un deuil, elles ont besoin d'aller mourir ou laisser mourir une partie d'elles au bout de la terre. Et ça, c'est tout à fait symbolique des chemins vers le Finistère, alors que ce soit le Finistère espagnol, mais ça peut être aussi le Finistère portugais, le Finistère breton ou le Finistère irlandais. Aller jusqu'au bout de la terre et voir le soleil mourir dans l'océan et ensuite renaître et revenir en étant une autre personne. Ce sont des chemins qui sont très très symboliques quand on a un travail de deuil, de rupture à faire. Et là, bah oui, bien sûr que ce chemin-là, ce sera très probablement le plus beau chemin. Il y a aussi des personnes qui ont envie de marcher pour la paix, par exemple. Ben, est-ce que Saint-Jacques, fils du tonnerre, réputé colérique dans la Bible, est-ce que c'est vraiment le symbole de la paix? Est-ce que ce ne serait pas plus juste pour vous de marcher sur les traces de François d'Assise et de Claire? Il y a des personnes qui sont très touchées par la spiritualité mariale. Pourquoi pas essayer de faire un tour des Vierges Noires du centre de la France, par exemple, ou qui seront intéressées plus par ce que symbolise Marie-Madeleine, ou encore aller vers la grotte de Rocamadour, par exemple. Donc le chemin, en fait, c'est pas sa beauté qui va faire sa magie et son œuvre de transformation. Ça va être l'intention que vous portez et également le but, le phare que vous allez choisir pour vous guider sur ce chemin de transformation. Un phare qui va être donc en relation avec votre intention. Et une fois qu'on a ce phare qui nous guide, le chemin, il sera magnifique. Il sera magnifique dans toutes ses dimensions, y compris les moins agréables, puisque si on se met dans cette disponibilité au chemin et si on a son intention bien claire dans le cœur, on peut très bien se dire aussi que tout ce que le chemin nous offre comme expérience va faire partie de cette transformation. Et ça, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est le message que j'ai envie de faire passer ici. C'est ne cherchez pas un beau chemin, cherchez le chemin qui vous convient à vous pour la transformation que vous avez envie de vivre. Je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt pour d'autres podcasts.